La nouvelle BMW M5 est l'une des super berlines les plus performantes du marché. Et sur ce, bonjour à toutes et à tous, je suis Julien Ruff et bienvenue pour un nouvel épisode de Sony Automotor Sport, votre magazine automobile à Sony Island. Je suis avec mon collègue et pilote Romain Rust. Salut à tous et salut à toi Julien. Une version restylée nommée compétition de la M5 pour cette année 2021. Justement, à l'occasion du restylage de la BMW série 5, la version sportive de cette berline a également droit à un petit ravalement de façade. Par rapport à la M5 précédente, la nouvelle version dispose d'une nouvelle calandre, de nouveaux boucliers et d'une toute nouvelle signature lumineuse. L'arrière a également été remis au goût du jour avec des feux redessinés et un tout nouveau diffuseur. Bien que ces changements de style soient relativement mineurs, ils changent vraiment l'apparence de cette berline allemande. Quelques modifications mineures ont également été apportées à l'intérieur. On voit notamment apparaître un nouvel écran de 12 pouces pour le système d'infodivertissement. Quelques boutons font leur apparition sur la console centrale, un pour le mode M, le mode sport de chez BMW, et un pour ajuster le mode de conduite du véhicule. Et elle est aussi l'une des premières sur Sony à avoir des rétros rétractables et un affichage frontal avec l'affichage des tours par minute, la vitesse et la radio sélectionnée. Comme le modèle d'avant restylage, la M5 Compétition 2021 est propulsée par un V8 biturbo de 4,4 litres qui développe 625 chevaux dans sa version Compétition. Les M5 et les M5 Compétition sont dotés d'une transmission automatique à 8 rapports qui envoie la puissance aux 4 roues via un système de transmission intégrale MX-Drive. Elle est belle, luxe et sportive, une vraie Allemande moderne. L'une des plus modernes actuellement disponibles sur Sony d'ailleurs. En effet, sa conduite est sportive par une belle berline et quand on parle de BMW, on est obligé de parler de drift aussi. Mais malgré ça, impossible de la faire drift. Et oui, une BMW qui ne drifte pas. Simplement grâce à ses 4 roues motrices et avec une bonne puissance d'accélération bien dosée. Pour la fiche technique et la conclusion de Sony Automotor Sport pour la BMW M5 Compétition, je vous invite à aller voir sur notre site officiel dans la description. Si vous souhaitez avoir plus d'infos, vous pouvez aller voir la concession VIP à Sony Island sur ce. Bonne route à toutes et à tous, et amusez-vous en pleine vitesse.